Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 20 mars 2021. Il s'agit d'une conférence et d'une méditation donnée dans le cadre du Centre bouddhique international du Bourget. Je remercie Bhante Chandaratana pour son accueil. Cette méditation-conférence s'appelle Introduction à la méditation Vipassana. Il s'agit aujourd'hui de l'épisode numéro 7 qui s'intitule Simplement savoir ce qui se passe, simplement savoir ce qui se passe. Je rappelle que cette conférence s'inscrit dans la tradition du bouddhisme Theravada ou bouddhisme du Sud et que plus particulièrement elle s'inscrit dans les pas de cet instructeur laïque formidable et encore trop méconnu en France qui s'appelle Godwin Samararatne. Sur lequel je viens d'écrire un livre qui s'appelle Vipassana. Alors avant de commencer, si vous me permettez, je voudrais faire une petite excursion qui va peut-être vous surprendre, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Nous allons faire une excursion dans le monde des quantas, dans la physique quantique. Pourquoi cela? Parce que je voudrais vous expliquer, en tout cas souligner, car je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà compris depuis longtemps, ce que signifie au fond simplement savoir ce qui se passe, ou plus exactement, quel est l'intérêt de savoir ce qui se passe, et pourquoi le fait de savoir ce qui se passe est en soi une action, est en soi un acte sain et habile. Alors, je m'appuierai sur un petit livre d'Étienne Klein qui s'appelle Petit voyage dans le monde des quantas, qui est un livre relativement difficile à lire, mais enfin qui se veut être un livre de vulgarisation sur la physique quantique. Étienne Klein cite un grand physicien qui avait beaucoup d'humour et qui disait à ses étudiants: si vous m'avez compris, c'est que je n'ai pas été clair. Bon, ça veut dire que effectivement, la physique quantique est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre, mais moi, je voudrais simplement m'arrêter sur un point ou deux, qui nous intéressent pour la méditation. Alors, quel est ce point? Eh bien, c'est le fait que dans la physique quantique, toute mesure apparaît comme une interaction entre l'objet mesuré et l'appareil de mesure. C'est-à-dire que quand on essaie de mesurer, quand on mesure effectivement une particule subatomique comme l'électron par exemple, eh bien on s'aperçoit que cette mesure elle-même, autrement dit l'observation de l'objet, est lui-même, constitue lui-même une interaction avec l'objet et a donc un effet concret sur cet objet. Et donc vous imaginez que c'est une découverte qui va poser énormément de questions et qui va révolutionner totalement la physique et qui, de ce point de vue, et de manière tout à fait inattendue, rejoint les intuitions génial du Bouddha sur le rapport entre l'observation et l'objet. En fait, ce que nous apprend la physique quantique, c'est que le seul fait de voir modifie ce qui est vu. Hein, je répète, le seul fait de voir modifie ce qui est vu. Autrement dit, cette nouvelle physique, elle va remettre en question le couple sujet-objet. En fait, c'est la notion même
de subjectivité et d'objectivité qui est remise en question. On peut même aller plus loin, on peut dire que c'est la notion même de réalité qui est remise en question. Mais sans aller jusque-là, il faut noter que certains des grands scientifiques de la physique quantique, par exemple Eugène Wigner, est allé jusqu'à dire que la conscience peut agir sur la matière. Il a aussi été question d'univers parallèle, et on a l'impression qu'on est dans la science-fiction, mais non, non, je vous rassure, on est vraiment dans la physique moderne, la physique d'aujourd'hui. Le physicien Bernard d'Espagna est allé jusqu'à parler d'un réel voilé, qui nous est complètement voilé. Alors moi, ce que je voudrais retenir, en fait, de cette petite parenthèse sur la physique quantique, c'est donc ce fait absolument extraordinaire que le fait de voir modifie ce qui est vu. Bon, c'est une chose que on peut aussi entendre dans un contexte complètement différent, mais je ne vais pas m'y attarder. Par exemple, celui de la psychanalyse ou des psychothérapies dans lequel on sait que le fait de voir par exemple, une pulsion refoulée qui a eu des conséquences néfastes, voire désastreuses, non seulement sur le psychisme, mais même sur l'organisme physique, le seul fait de voir avec évidemment une intensité toute particulière, car il ne s'agit pas d'une simple réflexion intellectuelle de surface, hein. Il s'agit de cette fameuse vision pénétrante, même si dans la psychanalyse on n'appelle pas cela comme cela, mais cette vision pénétrante permet de se libérer, et ainsi elle permet la guérison. Donc c'était deux domaines sur lesquels je voulais simplement dire quelques mots à titre d'analogie, car je n'ai pas l'intention de réduire la pratique du bouddhisme ni à la physique quantique ni à la psychanalyse, et encore moins dans l'autre sens, la physique quantique et la psychanalyse, à la méditation bouddhiste. Il faut prendre mes propos comme de simples analogies, simples comparaisons si vous préférez. Simplement savoir ce qu'il se passe. Alors pourquoi simplement? On pourrait se dire, est-ce que c'est si simple? Eh bien non, évidemment, être simple n'est pas simple, car nous sommes très compliqués. Donc simplement savoir ce qui se passe, dans le terme simplement, il faut comprendre le fait que, la plupart du temps, nous avons tendance à ne pas être simple. Autrement dit, nous avons tendance à laisser notre esprit vagabonder ou à élaborer des réflexions plus ou moins judicieuses qui en réalité nous laissent tout à fait à la surface de l'expérience que nous recherchons, qui est donc l'expérience de la vision pénétrante, vipassana. Donc simplement savoir ce qu'il passe, se passe, pardon, ça veut dire attention, soyons simples, soyons absolument attentifs, avec beaucoup d'énergie et une claire compréhension à cela qui se passe. Alors, ça m'amène au deuxième élément de la phrase que je voudrais développer, c'est ce qui se passe. L'expression, comme vous voyez, est impersonnelle. Pourquoi? Parce que il s'agit d'être attentif à des phénomènes, c'est-à-dire des processus qui apparaissent, qui se transforment et qui disparaissent selon certaines conditions, des conditions qui sont d'ailleurs très nombreuses et qu'on ne peut pas réduire à une simple chaîne de causalité. Donc savoir ce qui se passe, c'est être attentif à ces phénomènes, être attentif d'instant en instant à l'apparition, à la transformation et à la disparition de ces phénomènes. De quels phénomènes s'agit-il?
Eh bien, puisque nous parlons de méditation, il s'agit d'abord des phénomènes qui se produisent dans le corps. Il s'agit donc de l'attention au corps, kayanupassana, des phénomènes qui se produisent au niveau de nos ressentis ou sensations. Il s'agit de vedanupassana, des phénomènes qui se produisent en tant qu'état d'esprit. Il s'agit de cittanupassana, et enfin les phénomènes qui se produisent en tant qu'objets mentaux, dhammanupassana. La méditation vipassana, conformément au Maha Satipatthana Sutta, qui est le texte de référence que je vous invite à lire évidemment, consiste donc en cette attention sati. Mais il s'agit d'une attention tout à fait particulière, il s'agit d'une attention pénétrante de ces phénomènes. Alors, la question qui se pose souvent, c'est, mais pourquoi se limiter à observer? En quoi le seul fait d'observer peut-il nous aider? Effectivement, c'est une question tout à fait légitime qu'on peut se poser. Eh bien, je dirais que la réponse, il n'y a pas vraiment de réponse théorique, si ce n'est les images que j'ai données tout à l'heure à propos de la physique quantique et de la psychanalyse. Il faut faire l'expérience de cette méditation, il faut faire l'expérience de cette observation attentive et profonde pour réellement en comprendre les fruits. Car l'observation, mais je le répète, il ne s'agit pas de n'importe quelle observation, il s'agit d'une attention tout à fait particulière. Cette attention va avoir un effet, et comme je le disais tout à l'heure à propos de la physique quantique, cette attention, sati, est en elle-même en réalité un acte. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une pièce obscure, totalement noire, et que vous allumiez une lumière. Le fait d'allumer la lumière vous permet de voir tous les objets, et cette vision de la réalité, eh bien, c'est, je dirais, le fait même d'être au monde, le fait même de pouvoir agir sur le monde, et en soi, la lumière qui s'allume est une action. Donc, Vipassana, la vision pénétrante, c'est en quelque sorte cette manière d'allumer la lumière, si vous me passez l'expression, et de dissiper, en fait, l'obscurité, une obscurité qui s'est accumulée pendant des années, pendant des siècles, pendant des millénaires, dirait le Bouddha, et qui nous permet véritablement d'accéder à l'éveil ou l'illumination. Après ce préambule sur le titre, simplement savoir ce qui se passe, je voudrais justement vous proposer une chose qui va vous paraître étrange et que Godwin Samaratne proposait souvent aux retraitants ou aux méditants au début d'une séance de méditation. Il leur disait simplement, voilà, essayez de vous sentir bien, essayez d'être heureux. Alors, c'est tout à fait surprenant parce que on peut se dire que le bonheur n'est pas une chose que l'on peut contrôler, c'est vrai, tout à fait, et que le bonheur dépend de conditions extérieures particulières, c'est vrai aussi. Pourtant, Godwin nous dit cela, et je pense qu'il s'inscrit là tout à fait dans l'enseignement du Bouddha, et plus particulièrement dans l'enseignement qui concerne l'effort juste, samavayamo. En réalité, nous pouvons agir sur nos états d'esprit. Donc, c'est une chose très importante. Nous pouvons solliciter, en fait, notre esprit, nous pouvons lui donner une certaine orientation, et c'est même cette culture de l'esprit, bhavana,
qui constitue le centre de la méditation bouddhiste. Alors vous savez que dans l'effort juste, le premier élément de l'effort juste, c'est de prévenir les états d'esprit négatifs, autrement dit, de faire en sorte que les états d'esprit négatifs ne se produisent pas. Le deuxième moment de l'effort juste, c'est de se débarrasser de ces états d'esprit négatifs quand ils se sont produits. La troisième étape de l'effort juste, c'est de cultiver des états d'esprit positifs, donc de les susciter. Et enfin, le quatrième, c'est de les maintenir autant que c'est possible dans notre esprit. Donc nous avons ces quatre points de l'effort juste. Et quand Godwin Samararatne nous propose d'essayer de nous sentir heureux, vous voyez que nous sommes dans le troisième point, c'est-à-dire nous essayons de cultiver un sentiment positif. Cela pourrait paraître totalement artificiel, cela pourrait faire penser à ce qu'on appelle en français la méthode Coué. Certes, mais ce serait le cas si cette joie était totalement objective. Or, nous l'avons vu tout à l'heure, à propos de la physique quantique, la relation du sujet à l'objet n'est plus du tout celle que nous pouvions attendre dans la culture occidentale classique et dans notre perception quotidienne de la réalité. En fait, quand nous suscitons un état d'esprit positif, c'est l'état d'esprit positif en nous qui, d'une certaine manière, suscite notre perception de cet état positif. Il y a un cercle vertueux en réalité. Il y a une autre, évidemment, explication, c'est que nous avons en nous-mêmes ces états d'esprit, aussi bien d'ailleurs négatifs que positifs. Donc il s'agit d'aller puiser au fond de notre être, dans le silence précisément, et nous allons y revenir, cette qualité d'esprit, cette qualité d'attention et de la faire advenir, non pas de la créer à proprement parler. Donc, avant de commencer une méditation, essayez de vous sentir heureux, même si ça peut vous paraître étrange. Faites cet effort et vous verrez. Vous avez évidemment le souffle pour vous aider, notre ami le souffle, comme dit Godwin. Et vous avez aussi un autre moyen très simple, c'est d'éprouver un sentiment de gratitude. Et le bonheur et la gratitude sont liés. Si, en commençant la méditation, par exemple ici, au Centre bouddhiste international, vous vous dites que vous avez cette chance inouïe, cette chance extraordinaire d'avoir pu entendre parler du Dhamma. Vous avez cette chance inouïe d'avoir décidé de pratiquer la méditation. Cette chance et ce bonheur incroyable d'avoir des amis de bien dans le Dhamma avec lesquels vous pouvez partager, avec lesquels vous pouvez méditer. Cette chance inouïe de pouvoir vous retrouver dans ce lieu extraordinaire qui est justement adapté à cette méditation, d'avoir une sangha, une communauté, d'avoir les moines à votre disposition et de pouvoir entendre l'enseignement, de pouvoir étudier l'enseignement. En fait, si vous cultivez la gratitude pour tous ces facteurs positifs, vous allez éprouver un sentiment de joie. Vous allez éprouver un sentiment de bonheur extraordinaire. Voilà, c'était simplement pour vous donner un exemple, pour vous dire comment on pouvait susciter ce sentiment, ce ressenti agréable spirituel. Donc, simplement en évoquant certains facteurs positifs. Et d'ailleurs, dans la pratique de Anapanasati, la pratique de la pleine conscience de la respiration, on utilise cela puisque on suscite
La joie, on cultive la joie, donc on cultive un état d'esprit positif. Maintenant, je voudrais dire un mot sur cette qualité du simple fait de savoir. Donc, dans les méditations précédentes que nous avons faites ensemble, vous vous souvenez que nous avons beaucoup parlé de l'attention de Sati. Et nous avons dit que celle-ci était associée à la claire compréhension, Sampajana. Il faut que nous tâchions de cultiver, non pas seulement quand nous sommes assis sur le coussin, en position assise, mais vraiment, nous devons essayer de cultiver tout au long de la journée cette qualité d'attention, cette qualité d'écoute à tout ce qui se passe dans notre esprit et dans notre corps d'instant en instant. C'est vraiment une discipline qui n'est pas aisée quand nous n'avons pas pris l'habitude, mais c'est quelque chose qui se cultive précisément, qui se travaille, qui est l'objet d'exercices spirituels, exercices dont la méditation assise est un des éléments. Donc, un conseil que nous donne Godwin Samararatne et le Bouddha, bien évidemment, c'est d'accompagner cette attention d'amitié bienveillante. C'est intéressant parce que vous savez que pour Godwin Samararatne, l'amitié bienveillante n'est pas une option, mais elle se trouve au contraire au cœur même de la méditation vipassana. On peut dire que pour Godwin, l'amitié bienveillante, c'est la clé de la méditation bienveillante, de la méditation vipassana, pardon. Alors, vous connaissez certainement ce sutta magnifique qui s'appelle le Metta Sutta, le sutra de l'amitié bienveillante. Eh bien, à la suite du Bouddha, Godwin Samararatne nous propose en fait de observer ce qui se passe en nous, en citant le fameux sutta, j'ouvre les guillemets, « comme une mère regarde avec tendresse son unique enfant. Comme une mère regarde avec tendresse son unique enfant. » Vous voyez, l'attitude juste dans la méditation, c'est d'avoir cet état, cette qualité d'attention, qui est la qualité d'attention d'une mère pour son petit enfant, pour son unique enfant, donc avec, évidemment, vous vous en doutez, une tendresse et une attention de chaque instant. Hein. Une maman n'est pas attentive à son bébé 5 minutes dans la journée, ou même 1 heure dans la journée. Je dis cela pour comparer avec la pratique de la méditation. Elle est attentive à son enfant 24 heures sur 24, elle peut être appelée à se réveiller plusieurs fois dans la nuit pour prendre soin de lui. Donc cette image du Bouddha est très forte et elle nous donne simplement une idée de ce que devrait être la qualité de notre regard, la qualité de notre attention à ce qui se passe, pour reprendre l'expression, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe dans nos ressentis, nos états d'esprit, ou dans les objets mentaux qui se présentent à notre esprit. Un autre aspect important, en fait, de cette pratique, ou plus exactement un facteur qui peut l'aider beaucoup, c'est le fait de ralentir, d'être silencieux, et parfois de savoir se retrouver dans la solitude. Ralentir, c'est quelque chose d'important, surtout pour les citadins, les gens qui sont très actifs, mais si vous observez bien votre esprit, vous verrez que même des personnes qui ne travaillent pas, soit qui sont étudiantes, ou qui sont au chômage, ou qui sont retraitées, eh bien, on s'aperçoit que souvent, nous sommes très très occupés en réalité, occupés par
ce que nous appelons nos besoins, qui sont souvent des désirs, mais aussi par nos peurs, par nos inquiétudes, par une sorte d'angoisse existentielle qui nous fait rechercher des activités, qui peuvent être des activités d'ailleurs intellectuelles, voire spirituelles. Donc il y a tout de même, quoi qu'il en soit, une certaine fébrilité dans nos esprits, une certaine vitesse, je dirais. C'est pourquoi il est bon de pouvoir ralentir, lever le pied, comme on dit, se retrouver dans la solitude et se mettre à l'écoute. Et donc c'est ici que le silence est important, car si nous ne sommes pas à l'écoute, si nous n'entendons pas, nous ne verrons pas, si j'ose dire, puisque la vision pénétrante est liée à cette attitude de silence intérieur. Le silence n'est absolument pas le but, ne nous méprenons pas, ne nous trompons pas. Le silence est simplement un facteur qui nous permet d'être attentifs à nous-mêmes, attentifs à ces processus dont nous voulons saisir l'essence en quelque sorte. Nous voulons saisir les qualités, les caractéristiques intrinsèques. Eh bien, je dirais juste un mot sur le silence. Peut-être vous avez eu l'occasion de faire des retraites monastiques ou tout simplement de vous retrouver parfois seul chez vous. Et vous avez remarqué que quand nous sommes seuls, la première chose que nous faisons, c'est de tenter de nous distraire, de tenter en fait de nous divertir, pour reprendre l'expression du grand penseur français Pascal. Nous essayons de nous divertir comme si cette solitude, comme si ce silence était pesant, inquiétant. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est précisément d'essayer, car c'est là un des principes fondamentaux de la méditation, et entre autres de la méditation vipassana, d'essayer de ne pas fuir, essayer de ne pas nous divertir, de faire cette expérience, d'être attentif à nous-mêmes, d'affronter en quelque sorte ce silence et cette solitude, mais avec cette attention dont je parlais tout à l'heure, l'attention d'une mère pour son enfant unique. Et alors, vous verrez, faites l'expérience, c'est si vous le faites avec beaucoup d'énergie, car évidemment, l'énergie est importante, vous serez surpris de voir que ce qui pouvait paraître ennuyeux va devenir passionnant, si j'ose dire, puisque vous allez découvrir tout ce qui se passe en vous-même et vous allez faire cela non pas dans une perspective ascétique, en essayant de vous contrôler ou de vous mesurer ou de vous juger, bien au contraire, mais en devenant, comme dit Godwin, votre meilleur ami. Et en pratiquant, vous verrez que vous allez développer une certaine confiance en vous-même. Vous allez vous apercevoir que vous êtes capable, en réalité, d'affronter ce silence et cette solitude. Vous allez découvrir qu'il y a en vous des ressources insoupçonnées. Et dans toute situation, vous allez apprendre à découvrir qu'il y a précisément quelque chose à apprendre. C'est-à-dire que toute situation, qu'elle soit agréable, désagréable, ou ni agréable, ni désagréable, peut être un moment d'apprentissage. Alors, la méditation, attention, ne nous méprenons pas, car il existe beaucoup de traditions religieuses qui voient dans la méditation et d'une manière plus générale la contemplation ou la prière, en fait la recherche d'états mystiques extraordinaires. Dans la perspective du bouddhisme, plus particulièrement du bouddhisme Theravada, mais je crois
pour l'avoir pratiqué aussi, que c'est tout à fait la même chose dans le cadre du bouddhisme zen, par exemple, il ne s'agit en aucun cas de rechercher des expériences extraordinaires. Pour nous, l'extraordinaire est au contraire dans l'ordinaire, car il n'y a rien de plus extraordinaire que l'ordinaire, et il n'est absolument pas nécessaire de chercher des choses, des extases ou des expériences mystiques qui, en réalité, ne sont que des formes de passion sublimées, des formes d'érotisme, en fait, kamachanda, désir d'expériences sensuelles sublimées. En fait, la méditation, telle qu'elle est enseignée par le Bouddha, consiste à être attentif aux choses et à les voir telles qu'elles sont. Yatha Bhutam, c'est l'expression utilisée par le Bouddha. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est cela qui est précisément difficile, et non pas de fuir dans des états mystiques extraordinaires. À ce propos, je voudrais citer un philosophe du XXe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ludwig Wittgenstein, qui dit à propos de la philosophie: « La philosophie se contente de placer toute chose devant nous sans rien expliquer ni détruire. » C'est assez étonnant, parce qu'on pourrait penser que la philosophie sert à élaborer des concepts très compliqués, mais dans la perspective thérapeutique de Wittgenstein, qui rejoint tout à fait celle du Bouddha, il s'agit simplement de voir les choses telles qu'elles sont. Eh bien, c'est à cela que la méditation Vipassana nous invite. Et donc, il faut réaliser que quand vous méditez, il ne faut pas espérer quelque chose de spécial. D'ailleurs, pour le dire franchement, il ne faut rien espérer. Et nous ne nous situons pas dans cette perspective. Nous nous situons dans cette observation, dans cette compréhension profonde de la nature des choses, de la nature des phénomènes, comme je le disais tout à l'heure, de leur apparition, de leur transformation et de leur disparition, afin d'obtenir cette vision pénétrante de la réalité des phénomènes, de leur triple caractéristique, à savoir de leur caractère fondamentalement impermanent, anicca, de leur caractère insatisfaisant, dukkha, et enfin de leur caractère dénué de soi, de substance propre, si vous préférez, anatta. Et donc, compréhension intuitive, car il ne s'agit pas d'une simple réflexion intellectuelle, et c'est ce qui fait toute la différence entre une approche qui serait purement rationnelle, mais dans le sens d'une cogitation, et l'approche de la méditation Vipassana, qui est véritablement la mise en condition afin de permettre cette expérience, qui est véritablement une vision, une observation, mais aussi une expérience qui engage tout notre être, qui est l'expérience de la vision pénétrante. Alors, je voudrais simplement maintenant vous inviter à faire une petite méditation, assez courte, avec vous. Et je vous demande donc, si vous avez la possibilité de le faire, eh bien de vous asseoir dans une position à la fois détendue, mais pas relâchée, et de ne pas vous imaginer que nous allons faire quelque chose de spécial. Voilà, je vous invite à être attentif à votre souffle. Je vous invite à être attentif à ce point où l'air entre en contact avec vos narines dans l'inspiration.
Et à ce même point où l'air entre en contact avec vos narines dans l'expiration. Et si ce point ne vous suffit pas, si vous n'arrivez pas à bien percevoir, vous pouvez vous servir du mouvement de l'abdomen qui se lève pour l'inspiration, qui se baisse pour l'expiration. Alors soyons attentifs pour l'instant à notre corps, à tous nos ressentis. Est-ce que nous pouvons savoir que nous sommes assis? C'est-à-dire, est-ce que nous pouvons sentir nos jambes dans le sol? Est-ce que nous pouvons sentir notre corps qui s'enfonce dans le coussin, notre main droite sur notre main gauche? Nos bras qui tombent, peut-être une tension ici ou là? Est-ce que nous pouvons être totalement attentifs à tous les phénomènes corporels? Peut-être une douleur? Auquel cas, ne cherchez pas à la fuir, mais au contraire, mettez toute votre attention, essayez de comprendre intuitivement cette douleur. Et revenez à la respiration. Revenez toujours à la respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. J'ai une inspiration courte, je sais que j'ai une inspiration courte. J'ai une expiration courte, je sais que j'ai une expiration courte. J'ai une inspiration longue, je sais que j'ai une inspiration longue. J'ai une expiration courte, je sais que j'ai une expiration courte. Alors évidemment, il y a des pensées qui vont venir. Ben, laissez-les passer. Ne vous accrochez pas. Ne cherchez pas à vous les approprier. Ne cherchez pas à vous identifier à elles. Ce sont des phénomènes, au même titre que les phénomènes corporels. Ils sont déterminés par un certain nombre de conditions. Laissez ces pensées, ne cherchez surtout pas à les contraindre, à les refouler, ne cherchez pas non plus à entrer en discussion avec ces pensées, mais observez-les comme des phénomènes, au même titre que vous pouvez observer le mouvement de l'air qui rentre et qui sort de vos poumons. Laissez le corps respirer naturellement. Je répète, n'essayez pas de contrôler votre respiration. Écoutez toutes les sensations, écoutez tout ce qui se passe entre vous. Écoutez tous les mouvements, même s'ils semblent infimes de votre corps. Et essayez de vivre le moment présent. Dans le présent, il n'y a pas de pensée parce que les pensées sont en grande partie des souvenirs. Les pensées sont ce que le Bouddha appelle des formations mentales, des constructions, des élaborations ou des fabrications. Tout ce qui est fabriqué a été fabriqué dans le temps. Tout ce qui permet une reconnaissance, une identification, une compréhension, implique nécessairement un processus lié au temps et à la mémoire. Si vous revenez à la respiration, si vous êtes vraiment présent ici et maintenant,
avec votre corps, alors vous verrez que les pensées n'ont plus rien à faire avec vous. Les pensées concernant le passé, les pensées concernant l'avenir, laissez-les passer et vivez la joie du moment présent à l'aide de l'inspiration et de l'expiration. Si une pensée arrive, car elle arrivera, sachez simplement ce qui se passe, sachez simplement qu'il y a une pensée, il y a un phénomène pensée qui se passe, et laissez-le passer. Il n'y a pas d'avantage particulier à ce qui se passe, il n'y a pas d'inconvénient non plus, en fait. On ne juge plus. On sait, par contre, parfaitement ce qui se passe. Et pour vous aider, si vous n'arrivez pas à être attentif à ce qui se passe, vous pouvez également utiliser la méthode birmane, la méthode du Mahasi Sayadaw, qui consiste à noter. Car certaines personnes arrivent très bien, en fait, à porter leur attention sur les phénomènes, mais pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Alors, il y a cette technique qui consiste à noter mentalement, mais attention, je vous donne simplement, je vous mets en garde, il ne s'agit pas de penser, il ne s'agit pas d'élaborer des phrases, et il ne faut surtout pas construire une réflexion à partir d'un sujet. Je vous donne un exemple, vous êtes en méditation, une pensée surgit, vous pouvez simplement noter « pensée ». Une douleur dans votre jambe surgit, vous notez simplement « douleur ». Le fait de noter vous permet d'adhérer au phénomène dans l'instant même où il se produit, non pas avant ni après, et permet aussi à votre esprit de coïncider en quelque sorte avec le phénomène. Je vous remercie infiniment. Je remercie Bhante Chandaratana, le Centre Bouddhique International. Puissiez-vous être heureux et en paix.